Un dictionnaire, c'est le livre le plus précieux pour moi. C'est le livre que j'emmènerais sur une île déserte, s'il fallait choisir. Enfin, c'est pesant quand même. Mais j'ai toujours le petit Robert à proximité. C'est un livre pour lequel j'ai même de l'affection. Je trouve que de toute façon, il y a des personnes à l'intérieur. Et Robert, les articles sont rédigés avec humour, avec parti pris parfois. On voit ressurgir des auteurs. Parfois oublié, mais on sent que c'est des affections des auteurs du dictionnaire, enfin des articles. Macorlan. Ou d'autres, bref. Mais c'est ça qui est bien avec le Robert, c'est qu'il y a des citations littéraires et que le mot est replacé dans un contexte. Ça aide énormément l'imagination. Le style, c'est le dernier refuge où le créateur, la personne qui écrit, ou qui. Le créateur avec un petit C, est honnête. C'est qu'on ne triche pas avec ça. Parce que ce qui on veut être, voilà. Ben c'est dans le style qu'on voit la vérité de quelqu'un. C'est pas dans ce qu'il raconte. Parce qu'on se ment à soi-même et on sait. On peut pas être vraiment sûr. Par contre, le style, c'est le refuge de la vérité. Ça n'existe pas, l'artiste comblé. Un artiste comblé est un artiste, n'est plus un artiste. Ça a du charme, c'est une esthétique, l'aquabonisme. C'est une élégance, c'est du tronc, quoi. C'est pas vous. Un petit peu, j'aime je suis sensible à cette élégance-là, mais le maître, c'est Dutronc, en l'occurrence, c'est pas moi. D'ailleurs, c'est qui a inventé ces Gainsbourg? Mais pour Dutronc, il avait inventé cette expression, non? Je